Gianna Pellegrino Cimo. Numéro 15, Valentina Donolato. Numéro 19, Manuela Schiavica. Numéro 23, Monica Renzotti. Les remplaçantes sont The Substitutes are numéro 1, Viola Bartalini. Numéro 2, Martina Viesti. Numéro 6, Diana Catena. Numéro 7, Veronica Bernardi. Numéro 9, Ginevra Moretti. Numéro 11, Greta Pelagente. Numéro 16, Sarah Zappettini. Numéro 18, Leda Jemi. Et numéro 20, Carola Zanini. Une équipe entraînée par Madame Selena Mazzantini. The head coach is Selena Mazzantini. Aujourd'hui, l'équipe des arbitres est composée de The Referee Team of Today's Match is The Referee, l'arbitre, Madame Rusta Emanuela. Elle sera assistée de She Will Be Assisted by Madame Sala Mircetta et Madame Idrissova Darina. Et la quatrième officielle, The France Official, Madame Soroko Pudova Tatiana. On salue d'ailleurs l'ensemble des joueurs et joueuses de notre école de football qui vont assister à cette rencontre, avec notamment les U9 et U10 qui vont rentrer avec les joueuses, et certains portent les drapeaux aussi avec quelques féminines, et notre équipe U13 féminine et nos U15 féminines qui sont les ramasseuses de balles. Donc merci à vous pour votre présence. Troisième et dernier match de ce premier tour qualificatif pour l'Euro U19 féminin. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à Colomiers, au complexe Capitani, pour le dernier match de ce groupe A1 qui va opposer notre équipe de France à l'Italie. Un match entre deux équipes déjà qualifiées pour le tour suivant, mais qui déterminera tout de même pour l'honneur qui sera en tête de ce groupe. Pour l'instant, c'est bien notre équipe de France qui est à la première place. Première place à la différence de but. 5 buts inscrits, aucun encaissé lors des deux premières rencontres. Contrairement à l'Italie qui a pris un but. Un but face à la Hongrie pour son entrée en lice lors de la victoire 2-1, suivi d'une victoire 3-0 face à l'Irlande du Nord. L'équipe de France, en revanche, s'est imposée lors du dernier match face à la Hongrie 1-0. Mais c'était imposé 4-0 face à l'Irlande du Nord. Un petit but de plus donc pour l'équipe de France qui leur permet d'être en tête de ce groupe. C'est le minimum qu'on attendait en tout cas de l'équipe de France. Et ce minimum pour l'instant est rempli. Première journée qui s'était très très bien passée avec un but dès la première minute de jeu d'ailleurs, hein, qui était inscrit par Lucie Calba avant d'avoir le triplé de Liana Joseph. Et la dernière rencontre face à la Hongrie, un petit peu plus compliqué. Le but inscrit par Charline Coutel, la joueuse de l'OL, à la 25e minute, qui a donc permis à l'équipe de France de s'imposer
sur le score de 1-0. Les deux équipes sur la pelouse du Stade Capitanie. Les hymnes dans un instant, à commencer par l'hymne de l'Italie, normalement suivi de la Marseillaise. Mesdames et messieurs, nous allons vous demander s'il vous plaît de vous lever pour écouter l'hymne national de l'équipe d'Italie. Please raise for the national anthem of Italy. La Marseillaise, please remain standing for the national anthem of France. Et du monde encore aujourd'hui présent à Colomiers au Stade Capitanie pour suivre l'équipe de France dans sa quête de la qualification à l'Euro. Le dernier Euro aurait pu être grandiose sans cette défaite, cette cruelle défaite il y a quelques mois maintenant, au mois de juillet, face à l'Allemagne après prolongation sur le score de 3-2. La compo de l'Italie, a priori en 4-2-3-1, avec deux changements dans le 11 de départ par rapport à l'équipe qui a battu l'Irlande du Nord 3-0. L'entrée de Paola Zanini avec son numéro 13, la joueuse de 18 ans du Milan AC, rentre dans le couloir droit en position d'arrière droite. Et on dit son soutien de Giada Pellegrino-Simo. Nous aurons la numéro 15, Valentina Donolato, joueuse elle aussi de Milan. Milan qui est très bien représentée dans ce 11 de départ avec la bagatelle de 5 joueuses sur les 11. A noter que Emma Moustafic est reconduite aussi, la gardienne de la Juve, dans les buts de l'Italie aujourd'hui. Du côté de l'équipe de France, Philippe Joly fait confiance à 10 des 11 joueuses qui ont gagné face à l'Hongrie sur un score de 1-0. Le seul petit changement est l'entrée dans le 11 de Lucie Calba qui avait marqué dès la première minute face à l'Irlande du Nord.
Elle rentre donc dans ce 11, dans le 4-3-3 inamovible, avec toujours Coutel, Mendy et Sviro au milieu de terrain. La défense composée de droite à gauche de Liègre, Sangaré, Autain et Elimbi Gilbert. Et l'animation offensive donc confiée à Kalba. Joseph en pointe avec son triplé face à l'Irlande du Nord. Et Shana Chosnot, la rémoise, dont on attend toujours le premier but. Pas de chance face à l'Hongrie avec la barre transversale qui a été trouvée. Mais 4 passes décisives quand même sur les 4 buts inscrits face à l'Irlande du Nord. L'équipe arbitrale aujourd'hui avec Emmanuel Arusta au centre, assisté de Mirieta Salah, sa compatriote venant d'Albanie. L'autre assistant, Dinara Idrissova, qui est originaire du Kazakhstan, tout comme la quatrième arbitre, Tatiana Sorokopoudova. Le coup d'envoi dans quelques instants, il est prévu à 17h. On est un petit peu en avance sur la pelouse du complexe de Capitanie. A noter que c'est bel et bien l'Italie en bleu, l'équipe de France en blanc aujourd'hui, bien que l'équipe de France est un short bleu, assez foncé. Bon, ça détonne aussi par rapport aux couleurs de l'Italie, mais la Squadra Azzurra tout en bleu et l'équipe de France en blanc et bleu pour cette dernière rencontre du groupe A1, avec l'objectif pour l'équipe de France d'aller chercher la première place. Le nul suffirait, la victoire sera encore plus belle pour l'équipe de France. Et le sélectionneur Philippe Joly, en attendant la suite de cette phase qualificative qui va amener tranquillement vers l'édition 2024 en Lituanie. Énormément de matchs qui se jouent aussi aujourd'hui. On profitera des petits temps morts aussi pour faire un point sur les différentes équipes aujourd'hui. Allez, c'est parti pour ce Italie-France, dernier match de cette première phase qualificative pour l'Euro U19. Avec l'équipe de France en tête de ce groupe après ses 2 premières victoires face à l'Irlande du Nord et la Hongrie. Le premier coup de sifflet d'Emmanuel Arusta, qui était d'ailleurs l'arbitre de la rencontre face à la Hongrie. Et le premier coup franc de la rencontre, après moins d'une minute, en faveur de l'Italie. Beauté loin dans la surface de réparation pour essayer de retrouver Danin Sorelli. Ce long ballon d'Erin Cesarini ne trouve pas preneur. Récupération donc pour l'équipe de France et relance pour la portière de l'Olympique lyonnais, Ferrine Belhadj, qui a fait partie d'ailleurs de ce groupe de l'équipe de France qui était du côté de la Belgique pour le dernier Euro. Tout comme Fiona Liègre est un Elimbi Gilbert. Et le premier ballon offensif pour l'équipe de France avec Chasnot qui avait trouvé une bonne solution. Retrait, la seconde chance avec le centre de Liègre dans la surface de réparation. Ah, ça va être un petit peu compliqué là aussi pour Azouar Gallo de retrouver la solution. Et le ballon sera pour l'équipe de France. Ah, le gros pressing d'entrée sur la surface de réparation italienne. Chosnot pour ce centre fort devant le but. Pas de présence française et le ballon capté par Emma Mustafik. Et cette fois-ci, c'est Melinda Mendy qui
va être sanctionné. Avec déjà deux fautes commises par l'équipe de France dans les trois premières minutes de jeu. Ouais, Renzotti prend la touche. Ballon qui était à destination de Manuela Sciabica. L'Italie qui n'arrive pas encore à trouver les bonnes solutions de passe là sur si bien les deux coups francs qui ont été obtenus que sur la précédente situation, alors que l'équipe de France arrive à progresser un petit peu plus. Balle au pied. Yana Joseph, ballon repoussé. Yana Pizzuti. Ouais, le retour a été très intéressant au départ de Liana Joseph avant qu'elle ne commette cette faute. Un début de match avec déjà beaucoup d'engagement de la part de nos Françaises. Un petit peu trop là sur Giada Pellegrino Simo. L'attaquante de la Roma de 17 ans qui a inscrit un doublé lors de la précédente rencontre face à l'Irlande du Nord. C'est que ce serait Vachetzer qui jouerait directement le coup franc avec son pied gauche. C'est plutôt une combinaison qui a été tentée. Encore une fois, le ballon beaucoup trop long. Cette fois-ci de Paola Zanini. Et Vachetzer, joueuse de la Sampdoria, l'une des rares joueuses qui nous vient d'un autre club que la Juve, la Roma ou surtout Milan. Tout comme Manuela Sciabica. Avec le club d'origine Sassuolo. Un petit peu plus dur ce ballon pour Lucie Calva. Et vous voyez tout ce monde qui s'est pressé en tribune aujourd'hui. Alors qu'Emma Mustafik va pouvoir allonger un petit peu plus. Allez, bon effort de Shana Chosnot. La touche récupérée par l'Italie. Aliègre avait récupéré le ballon dans le couloir, mais attention à ne pas se découvrir et subir les contre-attaques italiennes. Ouais, très bon ballon intercepté là par Charline Coutel. Ouais, malgré l'effort de Calba, elle arrive à passer la Renzotti. Et très bonne intervention de Tara Elimbi Gilbert. L'arrière gauche du Paris Saint-Germain. Cet excellent retour. Et nouvelle rentrée de touche pour Monica Renzotti. Chatzer, Renzotti, ballon repoussé par Louhautin.
La seconde chance en faveur de l'Italie avec Pellegrino Simo loin derrière. Zora Gallo. Le ballon qui est revenu directement sur Luota encore en défense centrale. Le centre fort devant le but, mais la belle claquette assurée par Féerine Belhadj. Elena Pizzuti avait trouvé l'angle de centre, la passe à Chausnot. Et le corner numéro 1 dans cette rencontre est en faveur de l'Italie. Joue à 2. Schatzer dans la surface de réparation. Là, c'était un petit peu trop appuyé de la part de Pellegrino Simo. Alors, relance rapide. Ouais, Sangaré qui avait rejoué au milieu de terrain, mais le ballon est perdu par Julius Viro. De revenir derrière finalement. Nambi Gilbert. Ouais, petit jeu à 3 avant de retrouver l'appui devant sur Joseph. Bien joué. Et ballon écarté directement sur Chausnot. Relais tenté dans le couloir avec Fiona Liègre. Un petit peu compliqué ce ballon en revanche. Mais l'intention était bonne là de se projeter rapidement avec, avec la Bordelaise. Liègre qui a joué les 5 matchs de championnat cette saison de son club, titulaire lors des 5 rencontres. Début de saison compliqué aussi hein, pour Bordeaux en D1 Arkema, championnat que vous suivez désormais sur FFF TV. Et qu'on a un grand plaisir de vous proposer. Et Liègre justement dans son couloir droit. Chausnot. La solution personnelle. Tentez Sviro avec du jeu un petit peu plus long. Et ben finalement pour la squadra Azzurra, seulement quelques instants. C'est un point Lambi Gilbert. Et Lucie Calba un petit peu juste pour maîtriser ce ballon, mais bien soutenu par Melinda Mendy. Avant d'avoir le retour de Renzotti. Et la relance pour Schatzer. Le jeu direct très intéressant et la profondeur recherchée presque retrouvée pour Sabika. Excellente couverture de Lou Autin. L'autre représentante des Girondins de Bordeaux dans ce 11 de départ. Henri Gilbert. Avec Alba contré par Paola Zanini. Ça Sangaré. Fiona Liègre. La profondeur retrouvée avec Shana Chausnot et ce centre dans la surface dans les 5-50. Bien intercepté en revanche par Emma Mustafik. Le contrôle manqué, ça va peut-être permettre d'accélérer. Et c'est plutôt la frappe de loin qui est prise par Charline Coutel. Alors que Eva Schatzer avait glissé sur cette pelouse de Capitani. On n'a pas évoqué les conditions de jeu, mais elles sont extrêmement douces pour cette période de l'année. 18 degrés.
en cette fin de journée ensoleillée. Pelouse en bien bel état aussi. Gros pressing italien a forcé aussi un jeu un petit peu plus direct du côté français dans ce premier quart d'heure qui offre une adversité tout autre que face à l'Irlande du Nord. Attention, attention à ce travail dans l'axe, elle est parfaitement arrêtée. Superbe intervention de Wassa Sangaré face à Gada Pellegrino Simo. Le bon effort aussi de Lucie Calba. Calba contré par Donolato. Toujours rapidement. Avec peu de solutions pour Melinda Mendy. Énormément le banc italien donner des consignes et c'est visiblement entendu avec Sabica. Mais la Sabica qui peut accélérer et attention à la frappe derrière de Gada Pellegrino Simo. La première tentative cadrée du match du côté italien est bien repoussée par Ferin Bellage. Est très dangereuse cette équipe italienne sur ses attaques rapides. Et déjà le deuxième corner en faveur de l'Italie. Ouais, fort devant le but, repoussé en deux temps. Et surtout l'équipe de France va pouvoir bénéficier d'un contre avec ce ballon qui ne sort pas du terrain. Et le rebond par deux fois en faveur de Chausnot. Un peu plus italienne cependant pour aller chercher le second ballon. Et Paola Zalini libre dans le couloir droit. Et bon cadrage de Calba, très bon cadrage aussi d'Alain Gilbert. Et Calba en revanche ne passera pas face à Siavica. La surface de réparation, la bonne intervention en deux temps de Sangaré alors que Donolato commence à poser quelques problèmes aussi avec sa position juste derrière Pellegrino Simo. Et corner numéro 3, le premier sur le côté gauche à venir en faveur de l'Italie. On va pouvoir peut-être dire un petit peu plus dominatrice au point dans ce gros premier quart d'heure, un peu plus à l'aise sur les transitions, un peu plus tranchante aussi à l'entrée de la surface de réparation. Le pied gauche de Eva Schatzer pour botter ce corner. Sangaré repousse de la tête sur Pellegrino Simo. Ouais, long ballon contré. Et finalement récupéré tranquillement par Alain Gilbert. Bellage avec Autain. Alain Gilbert.
Le petit relais dans le couloir proposé par Julius Vieiro, c'était bien joué. Très peu de solutions hein, laissées par les Italiens au milieu de terrain. Vraiment très très bien en place hein, l'équipe de Selena Mazzantini. Écoutez, le petit pointu pour jouer sur Sangaré. C'est passé derrière le dos des milieux. On va pouvoir peut-être accélérer et trouver un appui en surface de réparation. Ce qui était bien joué avec la remise de Liana Joseph. Pour Melinda Mendy. Un petit manque de précision sur ce 1-2. Alors que l'intention était la bonne. Sorelli. Ami Gilbert venu dans son couloir gauche pour repousser ce ballon. Julius Vieiro qui a pu aussi aider Melinda Mendy à la récupération. C'est le travail de fixation là aussi avec Diego qui s'efface dans le couloir et le premier coup franc récupéré par l'équipe de France. C'est un coup franc extrêmement bien placé. Julius Vieiro récupère une très bonne faute là à l'entrée de cette surface de réparation. Arrivant en retard de Valentina Donolato. Et qui pour frapper ce coup franc. Julius Vieiro, sûrement la Lyonnaise. Vieiro justement, c'est bien parti. Super barré de Moustafik sur ce coup franc. Brossé, premier poteau qui retombait très bien. Ah, qui passe juste au-dessus du mur. Ah, dommage, dommage que le rebond n'arrive pas un tout petit peu avant là pour gêner davantage la gardienne de la Juve. Elle était pas loin d'inscrire son premier but en sélection U19. Julius Vieiro sur ce coup franc. Corner numéro 1 pour l'équipe de France. Avec Alba, c'était bien frappé. Le second ballon quand même arrive avec la frappe en deux temps. Là aussi dévié de Charline Coutel. On repartira au même piqué de coin. Sur cette frappe doublement contrée. D'abord par Paola Zanini, ensuite par Nadine Sorelli. Ici Calba à nouveau, cette fois-ci c'est tendu au niveau du premier poteau. Et repoussé, allez, 40 bons mètres sur Charline Coutel. Retour sur le côté droit, retour sur la joueuse Messine pour ce centre fort dans les 5-50. Centre fort sans problème pour Moustafik, 22e minute de jeu. Belle réaction de l'équipe de France, vraie belle réaction de l'équipe de France après les opportunités. Notamment pour Pellegrino Simo et cette lourde frappe claquée en corner par Ferrine Belhadj.
La solution en retrait trouvée par Calba. Est-ce que ce ballon est sauvé? Non, non, ce sera bien une touche pour l'Italie. Il ne reste plus qu'à avoir le ballon pour faire cette touche. Alors, Enzotti avait trouvé la solution avec Siavica qui se bat bien pour récupérer ce ballon, mais Lambi Gilbert a fait l'effort. Zviron aussi. Elle cherche à écarter sur le côté droit. Un ballon un petit peu compliqué en revanche. Donc on va profiter du côté de l'équipe de France depuis le coup franc de Juliette Firo pour faire permuter les deux ailières, Chanel Chosnot ainsi que Lucie Calba. Pour Perrine Bellage. Apparu sur le banc de l'OL l'an dernier en D1. Ainsi qu'en Coupe de France. Chosnot. Le ballon piqué pour essayer de jouer dans la profondeur, dans le dos de la défense aussi avec Liana Joseph. Chosnot en revanche arrive en retard là sur Valentina Donolato. Plus accroché aussi bien pour l'équipe de France que pour l'équipe d'Italie. Vous voyez qu'il avait mis un petit peu de temps à rentrer dans son match face à l'Hongrie. Le premier but de la rencontre était arrivé à la 28e minute. Était l'œuvre d'Erin Cesarini, la milieu de terrain du Milan AC. Égalisation surtout de la Hongrie qui était revenue à un but partout. Avec le but de Napsugar Sinka. Avant d'avoir quelques instants plus tard, Monica Renzotti pour donner la victoire sur ce score de 2-1. Plus facile ensuite contre l'Irlande du Nord, le doublé de Gada Pellegrino Simo, marquant dès la 5e minute de jeu. Mais pas pour autant que l'Italie avait une rencontre pliée rapidement, puisque le doublé de Pellegrino Simo est arrivé seulement à la 77e minute de jeu. Et Valentina Donolato, sortie du banc. Avait marqué à la 90e plus 4. Donolato n'avait pas joué la rencontre face à la Hongrie. Rentrant en fin de match face à l'Irlande du Nord. Titulaire aujourd'hui. Récompensé de sa belle entrée et en plus très dangereuse aujourd'hui. C'est elle justement qui récupère ce ballon maintenant. Donolato vers le côté gauche. Un ballon repris finalement par Pellegrino Simo.
La superbe intervention en deux temps à l'épaule de Liana Joseph qui peut accélérer. La faute par contre là, elle y est de Renzotti. Ça vaut carton jaune. Et ce sera carton jaune. Paola Zanini n'a pas résisté à Liana Joseph. En revanche, là, c'est clairement la faute tactique par excellence. Celle qui vient vous stopper le contre. Et premier avertissement de cette rencontre. Sortie par Emanuela Rusta. Tarélin Vigilbert pour ce coup franc, facilement repoussé au point de pénalty. Encore, c'était la tête d'Eva Schatzer pour repousser ce ballon. Et l'Italie n'ira pas plus loin dans ce contre. Charline Coutel, vigilante au milieu. Première demi-heure en tout cas équilibrée dans ce match qui tient toutes ses promesses. Entre l'Italie et l'équipe de France. Les Giro, le décale sur le côté droit. Un nouveau centre repoussé. Qui permettra peut-être à Liègre dans le couloir trouver une bonne solution avec Coutel. Ouais, le centre sur Moustafik. Quatre tirs français depuis le début de cette rencontre pour encadrer malgré beaucoup de tentatives en transition du côté italien. Il n'y aura eu qu'une seule frappe, elle était à la 15e et cadrée de la part de Giada Pellegrino Simo. Liègre n'aura pas pu récupérer ce ballon finalement face à Manuela Siabica. Sorelli pour Zanini. Et Joseph poursuit son effort défensif. Ça va permettre à tout le monde de remonter d'un cran aussi. Ça va faire du bien à l'équipe de France de pouvoir rejoindre un petit peu plus haut tout en faisant attention quand même à cette zone-là, autour du rond central, où les Italiennes arrivent parfois à prendre le dessus, notamment par la supériorité numérique. Et deux joueuses qui viennent cadrer très rapidement. La troisième pour récupérer les ballons. Et encore le retour à la faute de l'équipe de France. Sanctionné à 5 reprises au cours de cette première période. Les Bleuettes. Et Melinda Mendy. Ça
Les bons français ne s'y trompent pas. Demandé dans l'axe. Demander un petit peu plus de ballon au milieu de terrain. Ne pas avoir uniquement des solutions en ballon porté, ballon remonté, qui peuvent permettre à l'équipe italienne de rapidement resserrer. Ouais, ça s'engarre avec Fionnelli à grand dans le couloir. Ouais, encore un ballon. Facile pour la défense italienne, pas vraiment mise en danger pour le moment sur les positions de centre de Fionnuala Liègre. Et Tara Elambi Gilbert n'a pas encore vu non plus sur les positions hautes pouvoir adresser des ballons dans la surface de réparation. Il faut aussi la densité hein, qui est mise par cette équipe italienne dans ces zones excentrées. Depuis le début de la rencontre, il y a quelques rentrées de touches qui sont effectuées à la limite par Monica Renzotti. Celle-ci n'était clairement pas conforme. Disputé cette première période, vraiment disputé. Gros effort encore de Pellegrino Simo pour tenter de récupérer à l'impact. Les seconds ballons sont davantage français, à l'image de celui-ci pour Calba, Mendy. Allez, Giro, c'était un petit peu trop imprécis. Et là, par contre, c'est ballon en plein visage de Charline Coutel. L'arrêt du jeu immédiat pour aller aux nouvelles de la Lyonnaise. Rien qui doit quitter l'aire de jeu puisque le staff médical est entré. De France à 10 pour quelques instants seulement. Gilbert qui doit cadrer là, Renzotti sans commettre la faute. Un ballon touché en dernier par la Française. Davantage d'application sur la touche là pour Renzotti avant d'avoir finalement une faute de Maïa Siabika. Louotin avec Ferim Belhadj. Second ballon peut-être pour Coutel. On avait vu revenir sur la pelouse, pas forcément à l'image, mais qu'on avait vu revenir. Gilbert. Sviro. Liègre.
Liègre déjà très haut dans le couloir, mais sans mouvement de ses partenaires. C'est en jeu la patience, et vous voyez l'alignement défensif italien. Hein, cette défense à 5, à plat derrière, qui rebascule facilement à 3 sur les phases offensives. C'est toute l'interrogation aussi qu'on pouvait avoir en avant-match avec la position notamment de Monica Renzotti. Une véritable offensive, mais qui vient occuper cette position de latéral dans le couloir droit, ce qui apporte des solutions offensives aussi très intéressantes à l'Italie. Et ces solutions-là offensives qui, à l'inverse, quand elles deviennent défensives, ne laissent que peu d'espace à l'équipe de France. L'équipe de France qui va devoir travailler, s'armer de patience aussi dans les 6 dernières minutes du temps réglementaire de ce premier acte pour trouver les solutions de passe, solutions dans le jeu. On n'avait pas encore eu de séquence comme celle-ci avec un ballon bien tenu, bien amené alors que toutes les Italiennes sont regroupées dans leurs 30 derniers mètres. Sviro, les deux joueuses se jettent. Et c'est Valentina Donolato qui touche ce ballon pour le mettre en touche. Sviro. Sangaré qui est même venu aider Julie Sviron, voilà, au milieu de terrain pour remettre un bon ballon dans la surface de réparation. Lamy Gilbert, premier ballon touché pour elle dans la surface adverse aujourd'hui. Et Diana Joseph contré, fait l'effort pour aller reprendre le second ballon et essayer de le remettre dans la boîte. Chosnot finalement avec Coutel. Sviron. Autant pour Sangaré. Un changement de jeu et contrôle parfait de Liana Joseph. Qui est dans la surface de réparation. Ça retombe directement sur la tête d'Azora Gallo. Sangaré. Chosnot dans la surface de réparation. Chosnot encore. Le centre devant le but. La tête de Liana Joseph. Ah, qui part haut mais qui fuit le cadre. Cette grande et longue séquence de construction, conservation de l'équipe de France aboutit à une tentative, vraie tentative, dangereuse en plus, de la triple buteuse face à l'Irlande du Nord. Mais que dire encore du travail de Shana Chosnot. Absolument incroyable. Mustafik n'a pas eu énormément de solutions non plus sur sa relance. L'avantage de ce pressing très haut. Ah, dommage. Dommage que Fiona Liègre finalement concède le renvoi 5 m50. Énorme occasion que l'on revoit. Chosnot qui efface 3 adversaires avant de centrer fort devant le but. Et il était compliqué hein, ce ballon pour Liana Joseph. La grosse pression qui fonctionne. Ballon intercepté par Coutel. Ah, elle a préféré rejouer avec Joseph. Elle aura quand même le second ballon. Contré par Eva Schatzer. Ouais, pas de contre possible. Un salou hautain. La Bordelaise a surgi rapidement face à Valentina Donolato. Fausse touche numéro 2.
a déjà sanctionné une première fois. Et Karen Zotti pour ses entrées de touche peu conventionnelles. Une seconde fois. Donc on va arriver dans la dernière minute du temps réglementaire de cette première période. Restez bien avec nous à la mi-temps. On aura énormément de choses à vous montrer. Énormément de buts aussi à vous offrir. En espérant en voir un, et tant qu'à faire pour l'équipe de France d'ici là. Mais on reverra tout ce qui s'est passé. Pour notre sélection U19 avec les meilleurs moments. Les buts inscrits face à l'Irlande du Nord et la Hongrie. Mais avant ça, la frappe de loin de Joseph, la barre transversale. Sur ce ballon légèrement touché par Emma Mustafi, la gardienne italienne fait l'arrêt clairement sur cette frappe de très loin. Ouais, elle dévie très légèrement ce ballon sur la transversale, c'est suffisant pour repousser la frappe de Liana Joseph. Temps additionnel, 2 minutes minimum. Et 2 minutes de temps additionnel minimum pour cette première période. Et long ballon vers Chosnot dans la surface. La sortie encore de Mustafi qui reste au sol. Hein, cependant, l'attaquante du stade de Reims. Ouais, qui a déjà marqué 2 buts cette saison en D1. 2 buts lors de ses 4 matchs. Décalage sur Renzotti. Ah, le centre de Renzotti repoussé par la tête de Louotin. Seconde chance au second poteau. Ouais, ce nouveau centre. Attention à la mauvaise communication là, entre Autin et Bellage. Elle chope tête contre tête. Ça nous fait 2 Italiennes au tapis. Avec Manuela Siabica. Il me semble aussi Valentina Donolato. On voit le long ballon d'Elena Pizzuti. Oui, Bellage qui manque sa sortie et qui fait tomber, fait trébucher Siabica. Et dans un second temps, c'est le choc tête contre tête contre Louotin. Et son adversaire. 1 minute 50 d'écoulée dans ce temps additionnel. Qui était de 2 minutes au minimum. On va peut-être aller un petit peu au-delà de ces 2 minutes. Ah, c'était bien Valentina Donolato hein, au sol. De l'autre côté, sur le bout de la surface de réparation. Ok, Manuela Siabica. Il était resté sur l'aire de jeu. Bon, autorisation pour les deux, finalement, de rester sur l'aire de jeu et de revenir. Bon, pourquoi pas. Moi, ça permet à tout le monde d'être présent rapidement et de jouer vite. J'ai plutôt l'habitude de voir les joueuses ou les joueurs
sortir et revenir même sur une reprise du jeu par une balle à terre. Là, tout le monde était présent à la reprise du jeu. Après avoir perdu une bonne minute dans ce temps additionnel après ce double contact. 3 minutes découlées dans ces deux minimums. On aura peut-être une dernière opportunité à jouer du côté italien ou du côté français. Mustafić. Directement sur la tête de Lou Hautain. La proposition de jeu rapide là de Julius Viro. Destination de Lucie Calba. Obtenir un corner. Corner numéro 3 pour l'équipe de France. Soit autant que l'Italie. 2 sur le côté droit et 1 désormais à gauche. Minutes 45 de jouer dans ce temps additionnel. Ce corner au premier poteau est repoussé et on va s'arrêter là pour ces 45 premières minutes qui ont été extrêmement intéressantes, mais comme souvent dans un Italie-France très tactique, pas de but à la pause mais une barre transversale tout de même touchée par Liana Joseph à la 45e minute de jeu. Alors on va raccompagner les joueuses et les arbitres au vestiaire. Et nous, on va revoir ce qui s'est passé dans les deux premiers matchs de ce tour qualificatif. Et on va aussi regarder un petit peu l'actualité de l'équipe de France A, qui joue d'ailleurs ce soir face à la Norvège. A tout de suite. Ce sont donc les Nord-Irlandaises qui vont donner le coup d'envoi de cette rencontre avec la joueuse des Glentoran Women. Donc, Ware, je vous le disais, faire attention à la 9, faire attention également à la 10. Ça y est, c'est parti donc. L'équipe de France qui accueille à Montauban cette équipe nord-irlandaise. Il y a peut-être, pourquoi pas, l'opportunité d'ouvrir le score sur ce centre. Deuxième poteau, et voilà l'ouverture du score dès la 19e seconde. Je vous en parlais il y a quelques secondes de Lucie Calba, la Messine. Eh bien là, elle est seule au deuxième poteau et du pied gauche, son pied fort. Eh bien, elle trompe McAllister. Avec donc la présence de la France, du Mexique, du Japon, des équipes qui seront au Mondial U20 en Colombie. Je vous en parlais tout à l'heure. Et ce sera évidemment du côté de nouveau d'Avignon. Attention, ce ballon, peut-être l'égalisation. Oh, la parade, la superbe parade. Oh, l'énorme occasion là à la 15e minute de jeu. Toujours ce ballon hein, quand même pour les Françaises. Souvent sur le côté droit, bien joué de la part de Chausnaut qui centre en retrait, la frappe, et oui, le poteau rentrant de Liana Joseph. Eh bien, Lucie Hautain, il y a une minute, avait loupé l'occasion de mener à 2-0 pour l'équipe de France. Ce n'est pas loupé, cette fois-ci, c'est magnifiquement réussi par la Lyonnaise Liana Joseph. Et deuxième passe décisive. Bonne aussi, très très bonne l'incursion côté droit, pourquoi pas aller marquer un troisième but centre avec la reprise. Oh, quel but, magnifique but doublé pour Liana Joseph. Eh bien, quel récital là des Françaises qui vraiment axent à fond leurs attaques sur le côté droit. On ne pas se relâcher à l'idée, je vous disais, c'est vraiment la métronome, hein, le chef d'orchestre de cette équipe nord-irlandaise que l'on n'a pas trop vu. Et il n'y aura pas de temps additionnel pour cette première période. Avec une frappe quasiment à l'entrée de la surface, une reprise magnifique. Attention là, ce ballon et prise de balle tranquille pour Baladj qui joue court côté droit. Et le troisième but, c'est mon préféré pour l'instant, peut-être que vous aussi j'imagine. Ce nouveau centre de Chausnaut. Et là, il n'y a pas de position d'hors-jeu. Peut-être le triplé pour Joseph qui va plus vite que tout le monde. Eh bien, c'est le triplé. C'est le triplé pour la Lyonnaise qui, là, eh bien, est allée défier McAllister qui, là, ne pouvait pas faire grand-chose. Ou Elimbi Gilbert. Ce sera Lucie Calba. C'est à ras de terre et c'est cadré. C'est tranquillement. Qui avance un petit pas, mais qui avance bien ce bon ballon hein, dans le dos de la Parisienne. Elimbi Gilbert et la prise de balle impeccable. Pas essayer de prendre le ballon. Attention, là, le contre avec ce ballon dans le dos de Hautain. Il faut sortir. Baladj ! Oh, l'arrêt ! L'arrêt encore de la gardienne française. Eh bien, elle n'a pas beaucoup été alertée.
Allez, on est rentré dans les 5 dernières minutes, il y aura un petit peu de temps additionnel. Rossi bien joué en profondeur pour Mendy, qui se rentre dans la surface de réparation, le centre. Allez, hein, dommage, elle était un peu courte, elle n'a pas senti le coup, la Fanny Rossi. Décalage à droite, ça va être long pour Rossi qui fait l'effort. Bien joué ce ballon qui ne sort pas. Rossi qui se met sur son pied gauche, centre en retrait. Ah, c'était pas mal joué là. Laisse l'avantage, le petit extérieur de Coutel et les nouveaux ballons avec sa file jusqu'à Rossi. Rossi avec son pied gauche, la frappe de Rossi, elle est cadrée. Accélération d'Oilic qui va obtenir rien du tout puisque on en restera là pour cette rencontre. L'équipe de France eh bien, qui s'impose. Bon match à tous, supporters et supportrices de l'équipe de France, et également bon match à tous les supporters de l'équipe de la Hongrie, l'équipe de France donc qui entame cette deuxième rencontre avec une confiance évidemment qui est montée d'un cran, hein, avec cette victoire 4-0 face à l'Irlande du Nord. Il faut confirmer aujourd'hui sa première titularisation avec l'équipe Fagnon du PSG. Le PSG qui s'était imposé 4-0 du côté du LOSC. Allez, Chosnaut là avec ce centre. Ouais, elle touche deux fois la transversale. Et malheureusement, transversale sortante pour la numéro 10 française. On revoit hein, le bon enchaînement. Et dans un angle très fermé, elle touche même trois fois. Incroyable, ce ballon qui était téléguidé. Le nouveau corner en rentrant peut-être pour l'équipe de France. Devant tout le monde, c'est dégagé, peut-être la frappe de Coutel. Ah, oui, quel but magnifique de la part de la Lyonnaise qui eh bien, ne s'est pas posé de questions. À 23-24 mètres, eh bien, elle a envoyé un pétard et Svetlán, la gardienne hongroise qui a plongé mais qui n'a pas vu, j'imagine, le départ du ballon. Première frappe cadrée de la rencontre, 25e minute de jeu. Et l'équipe de France donc qui mène 1-0. Magnifique ce que vient de réaliser Charline Coutel. Ce corner mal dégagé hein, et toujours ses dégagements dans l'axe. Et frappe magnifique du coup de pied de la part de la Lyonnaise donc eh bien, qui permet à l'équipe de France de prendre les devants. Lu par les joueuses de Philippe Joly. En profondeur. Allez, Joseph, le face à face. Oh, c'est juste à côté. C'est juste à côté. L'occasion était là, avant la pause, de faire le break sur ce long ballon de Sangaré. Aksali trop courte. Et derrière, dommage pour Liana Joseph. Et on en restera là pour ces 48 premières minutes. L'équipe de France, vous le voyez, eh bien, mène 1-0 grâce à Charline Coutel. Et un magnifique but inscrit par la Lyonnaise donc, qui permet à la France de mener 1-0. Allez, là il y a un coup à jouer avec Fanny Rossi au deuxième poteau. Elle n'est pas servie, la Parisienne, oubliée par Chosnaut, qui avait pris l'information. Elle était un petit peu en retard, Fanny Rossi. Et finalement, Shana Chosnaut qui a plutôt privilégié l'option personnelle. Allez, encore une fois, la puissance de Lushimba Bilombi qui récupère ce ballon. C'est bien joué. Mendy, un décalage à gauche. C'est fait. Bien joué la feinte de centre de la part d'Elumbi Gilbert. Le centre, oh, elle a loupé le ballon. Rambo derrière Chosnaut, c'est juste à côté. De temps par les hongroises. Allez, la récupération, la frappe, elle est pas mal. Elle était pas mal cette frappe de Mendy. Malheureusement, elle n'est pas cadrée. Je vous disais, on ne peut pas récupérer un ballon et frapper comme ça. Maïline Mendy là qui était pas loin de faire trembler les filets de Svetlán. C'est
c'est terminé donc sur cette victoire sur la plus petite démarche, sur le plus petit des écarts. 1-0, but donc de Charline Coutel à la 25e minute. La France est donc, ça y est, c'est officiel, qualifiée pour le Tour Élite qui aura lieu en mars et en avril prochain. De l'envie, hein? Avec tout ça, bien concentré, parlez-vous, donnez l'information. Initiative, 10 minutes les gars, 10. Allez, c'est sifflé les gars, go! Allez! La disponibilité dans le mouvement, heureusement, dans la percussion, on leur fait mal, on ne se relâche pas aussi. Hein. Et fort contre effort, les mecs. Pensez. Mais là, mis à part ce premier quart d'heure, oui, on est dans le vrai. Maintenir ça. Allez, continuez les gars. Hein? Ça va vous faire plaisir à en donner. Ouais. On remet ce qu'il faut. Hein? Allez, c'est sifflé les gars. Go, go, go. Guy, c'est bon? On y va les gars. Allez, à la maison. Vas-y, vas-y.
Félicitations. Un jeu gardien. Les deux équipes reviennent tranquillement, nous aussi, ici au complexe Capitani de Colomiers, 0 à 0 entre l'Italie et la France à la pause. 0 à 0, plutôt logique, oui et non, plutôt logique, disons, sur la première demi-heure où les débats étaient vraiment équilibrés, mais ça s'est un petit peu accéléré en faveur de nos bleuettes sur la fin de la première période. Les meilleurs moments, justement. Au quart d'heure de jeu, la grosse opportunité en faveur de l'Italie avec le coup franc. Ensuite, de l'équipe de France qui était bottée par Julius Viron. Et quelques opportunités ensuite, notamment sur cet exploit individuel de Shana Chosnot. Premier changement pour l'équipe de France avec la sortie à la mi-temps de la numéro 14, Charline Goutel, qui est remplacée par la numéro 19. Et un changement du côté de l'équipe de France avec donc la sortie de Charline Coutel remplacée par par Maëline Mendy. Et c'est parti pour cette seconde période avec donc ce score de 0 à 0 entre la France et l'Italie. La nuit tombée désormais sur Colomiers. Et une Lyonnaise remplacée par une Lyonnaise. Maëline Mendy au milieu de terrain qui sera aux côtés de Gilles Giraud et de Melinda Mendy. Deux joueuses de 2006, mais âgées encore de seulement 16 ans, car nées en fin d'année. 21 décembre pour Melinda Mendy. Le 26 décembre, Boxing Day, donc, pour Maëline Mendy. Deux joueuses de ce milieu de terrain. Liègre. Allez, premier coup de sifflet d'Emmanuela Roustin dans cette seconde période. C'est une faute italienne. 6 tirs et 2 tirs cadrés d'ailleurs en première période pour l'équipe de France. Un seul tir italien, on l'a vu dans les meilleurs moments, il y a quelques instants dans la première période. Une bonne solution en profondeur. À destination de Shtena Chosnot, mais la bonne présence d'Elena Pizzuti. L'arrière gauche de la Roma. Liègre. Chosnot. Eh, le ballon est un tout petit peu trop fort, là, malheureusement, pour Melinda Mendy. Et Namendi qui avait joué la saison dernière 9 rencontres en D1. On a vu Gilbert. Loutin, Melinda Mendy.
Yègre, dans l'espace fermé, obtient le coup franc. Elena Pizzuti en retard. Ouais, tirage de maillot. Et Maëline Mendy va pouvoir jouer son premier coup franc dans cette seconde période. 4 minutes de jouer. Et Maëline Mendy s'est plutôt bien frappée, repoussée tout de même au 5-50 par la tête d'Elena Pizzuti. Linda Mendy. C'était bien joué de la part de Pizzuti. Elle résiste bien Pellegrino Simo. Ça s'en garé. Chancenot en essayant de partir de plus bas avec Melinda Mendy qui contre ce ballon sent quand même que l'Italie a essayé de resserrer un petit peu par rapport à la fin de la première période. Et pour autant, elles sont encore prises dans l'impact, les Italiennes, dans l'impact de Liana Joseph. Eh ben non, relancé plein, Axi va peut-être profiter à Judith Giro. Voir Louotin. Davantage de patience aussi du côté de l'équipe de France pour travailler cette équipe italienne. Et trouver pourquoi pas des petites solutions dans l'axe comme celle-ci qui permettra à Maëline Mendy d'arriver dans la surface de réparation. Ouais, le coup de sifflet finalement pour la faute de Maëline Mendy. Ouais, très intéressante sur son entrée en jeu. Voilà, le crochet est un tout petit peu court face à Nadine Sorelli. Accélération désormais de Renzotti. Ouais, la frappe ensuite d'Eva Schatzer. Maëline Mendy encore, qu'on trouve très facilement sur son entrée en jeu. Et qui peut aussi combiner facilement là, avec Calba.
commence à retrouver aussi hein, sur la pelouse une grande partie des joueuses qui sont allées décrocher. Le 26 mai dernier, le titre de championne d'Europe U17. Avec Lou Autain, Wassa Sangaré, Melinda Mendy, Maëline Mendy, Eliana Joseph, qui était titulaire pour cette finale, présente sur la pelouse. On peut ajouter aussi Julie Sviron. Et Renzotti qui dégage ce ballon, mais Julie Sviro encore une fois présente. Autain, ce ballon et finalement sort en touche. Un peu précipité en revanche ce ballon de Maëline Mendy. Ouais, bon pressing, très bon pressing sur la défense italienne qui est payant avec Giro qui avait perdu ce ballon. Chosnot, la frappe de loin. La position de hors-jeu, sûrement, qui vient sanctionner. Est-ce qu'elle a essayé de mettre la tête, Yana Joseph. Il semblait un petit peu hors jeu sur ce ballon. Quelques opportunités dans ce début de seconde période en faveur de l'équipe de France. Plutôt dans un temps fort. Et qui n'arrive pas encore à concrétiser. Si Calba. Ça sent qu'il essaie d'accélérer le jeu, mais. C'est facilement intercepté encore par Pizzuti et rendu à Sangaré. On notait que dans l'autre match de ce groupe A1 qui se joue du côté du stade Jean Verbeek de Montauban. Il y a un but partout entre l'Irlande du Nord et la Hongrie. Avec des buts inscrits par Faye Lougran. Côté en irlandais, attention à ce ballon intéressant quand même hein, pour Pizzuti. Le centre de Pizzuti, contré par Wassa Sangaré, récupéré par Féerine Belhadj. Et on lance rapide de son pied gauche. Très bien joué là pour s'appuyer sur Melinda Mendy. Melinda Mendy, le gros tirage de maillot, mais l'avantage laissé par Liana Joseph. Melinda Mendy, entrée de la surface de réparation. Melinda Mendy sur ce centre. Le contrôle, l'enchaînement de Chosnot. L'envolée superbe de Mustafić. Et la position de hors-jeu qui vient sanctionner la fin de cette action. Hors-jeu de Mendy, ouais, alors que la parade était superbe de Mustafić. Et pas de carton pour Elena Pizzuti. Parce que c'était une faute pour stopper la contre-attaque que l'on revoit là. Le tirage de maillot assez énorme. Mais comme
C'est simplement, entre guillemets, une faute tactique. Et que l'action a quand même pu aller au bout. On ne revient pas sur cette faute pour mettre un éventuel avertissement. Une nouvelle possibilité pour l'équipe de France, cette fois-ci de loin et sans grand danger. Et donc dans l'autre match du groupe, Irlande du Nord, Hongrie, un but partout. Et toujours 0-0 entre l'équipe de France et l'Italie. Main réclamée et main obtenue par l'Italie. Dans les différents matchs qui se jouent aussi dans différents groupes. Notez qu'il y a en ce moment même aussi un Espagne-Portugal extrêmement intéressant, extrêmement important. Parce que pour le moment, dans ce groupe, l'Espagne est en tête avec 7 points. 7 points devant la Suède et le Portugal. Deux nations avec une victoire et un nul. Et une défaite en comprenant le résultat en cours. De 0-0. Duel à distance. Ouais, l'enchaînement, la barre rentrante. Oh, superbe. Superbe l'enchaînement de Liana Joseph, la triple buteuse face à l'Irlande du Nord. Qui avait trouvé la barre plus tôt en première période. Vient cette fois-ci déclencher le ballon qu'il fallait mettre pour prendre l'avantage 1-0 à la 62e minute. Oh, quasiment sur un pas. Quasiment sur un pas, elle arrive à enchaîner sur le superbe ballon de Julie Sviro à l'entrée de la surface de réparation. Et entre en jeu de la numéro 20, Fanny Rossi. Un superbe but de Liana Joseph. Et le changement pour l'équipe de France avec la joueuse du Paris Saint-Germain, Fanny Rossi. Qui remplace Lucie Calva. Un superbe but de Liana Joseph alors qu'on profitait d'un petit moment un peu plus faible dans cette rencontre pour prendre la température globale de ce tour de qualification. Ce premier tour même de qualification. Voilà l'équipe de France qui mène 1-0. Le 3-3 qui pourrait être encore plus beau. Corner pour l'équipe de France à venir. Ah, ce ballon qui a été sorti par Pizzuti.
On attend un petit peu avant de pouvoir jouer le corner. Et Fanny aussi avec son pied gauche. Va pouvoir s'exécuter au second poteau. La seconde chance avec la reprise de volée pour Maline Mendy. Nouvelle tentative pour l'équipe de France. Cette fois-ci, ça ne prend pas le cadre. Frappe numéro 9 des Bleuettes. Et ça passe de peu à côté. Maline Mendy qui peut enchaîner encore. Là, ça s'est complètement ouvert dans la défense italienne. Voilà, il y en a des espaces. On a beaucoup plus des espaces. Mais certes, il y a beaucoup plus d'espace devant, mais on a bien entendu Philippe Joly. Il ne faut pas laisser, avancer, progresser cette équipe italienne. Le plus dur est fait pour l'équipe de France avec le but inscrit à la 62e minute. Et quel but inscrit par Liana Joseph, triplé face à l'Irlande du Nord. Une barre entrante en cette fin de journée face à l'Italie. Et Shana Chosnot d'entrer dans la surface de réparation. Fin de frappe, bien joué de la passeuse Julie Sfiero. Oh, attention à ce ballon qui repasse par l'axe. Petit pont validé, un peu heureux mais validé par Erin Cesarini. Manuela Sabica. Sabica toujours. Ouais, qui est reprise avec peut-être un petit peu trop d'impact de la part de Wassa Sangaré. Elle aussi avertie. Ouais, pas grand chose à dire non plus hein, sur cette faute et sur le carton. Et premier gros arrêt de jeu dans cette seconde période. Avec Sabica au sol, qui va pouvoir se relever le coup franc. Très intéressant à jouer au coup de sifflet pour l'Italie. Elle va laisser finalement le ballon. Eva Schatzer, la joueuse de la Samp. Pour Giada Pellegrino-Simo.
Pellegrino Simo, combinaison avec Schatzer. Ouais. C'est tenté, mais plein axe comme ça. Très facile pour nos Françaises d'intercepter et le hors-jeu ensuite. Contre Mamema Siavica. Rossi qui avait tenté le petit 1-2 dans le couloir. Chena Liègre. Encore un tirage de maillot. Cette fois-ci, c'est sifflé directement et sanctionné d'un carton jaune contre Siabika. Rezzotti averti à la 29e pour un tirage de maillot. Siabika averti à la 70e pour un tirage de maillot. Pizzuti, pas passé loin non plus. Il y a une petite dizaine de minutes pour un tirage de maillot. Là aussi. Les fautes tactiques. Un peu spécialité hein, ce soir. De la Squadra Azzurra. Et en deux temps, ballon conservé par Maïline Mendy. Chena Liègre. Ouais, c'est un ballon fort par-dessus. Intercepté quand même par Azzurra Gallo. Rossi. Ouais, qui aura tenté la combinaison avec Alain Vigilbert. Finalement, ouais, la petite talonnade. Dommage, c'était bien joué. Et Rossi qui fait l'effort. Ah, dommage qu'il y ait la petite faute. Ouais, je viens de dire, c'est sa première faute. Et elle prend le carton. Il paraît un petit peu sévère cet avertissement, mais peu importe, il est sorti. Et les changements. Cesarini remplacé par Catena. Et la sortie de la numéro 19, Manuela Siabica. Et Siabica qui va être remplacé par Belagente. Double changement pour l'Italie. Alors que l'équipe de France ne mène que d'un petit but. Les entrées de Greta Belagente, l'attaquant de la Juve. Et Gala Catena de la Roma au milieu à la place de Erin Cesarini. La faute cette fois-ci est commise par Shana Chosnot. On a entendu les consignes aussi hein, du banc italien pour demander à Greta Belagente d'aller un petit peu plus que ses camarades au pressing. Il est vrai que l'équipe de France n'a pas subi tant que ça le
Pressing des Italiennes, les deux nouvelles entrantes. Greta Belgente et à l'instant Gada Catena installent un début de pressing, il est vrai, mais globalement les joueuses de Philippe Joly n'ont pas été trop inquiétées par le pressing italien. Cette défense à 5 à Sebas qui prend encore une vague et qui prend encore une frappe de Liana Joseph. Un petit peu trop croisée cette tentative. Et Shana Chosnot qui terminera ce groupe de qualification sans marquer. Et qui est remplacée par la numéro 15, Elisa Rambeau. Alors qu'Elisa Rambeau fait son entrée. Encore une possibilité de changement pour Philippe Joly. Un changement à la pause. 2 en seconde. Sur 2 arrêts de jeu. Donc une séquence de changement encore possible. Et Shana Chosnot qui a eu des opportunités pour inscrire son premier but dans ce groupe de qualification à l'occasion du dernier match de l'équipe de France. Et Fanny Rossi dans la surface de réparation, la frappe cadrée. Et Emma Mustafi qui aura fait des arrêts aussi aujourd'hui. Hein. Si l'équipe de France ne mène que d'un but, c'est aussi parce que la gardienne italienne est particulièrement efficace aujourd'hui. 12 tirs français. Cinq cadrés. Et un petit but. Seulement un petit but malgré cette vraie belle domination. Ouais, le coup franc italien repoussé par Lou Autin en corner. Premier corner de la seconde période en faveur de l'Italie. Attention aux différents contacts dans la surface de réparation. Ouais, ce corner, il est bien frappé, il passe devant tout le monde. La sortie de balle assurée. On va voir la petite poussette d'Elena Pizzuti. Ouais, très compliqué hein, d'aller défendre sur Liana Joseph. À 4 buts. La Lyonnaise lors des matchs dans cette phase de groupe. 10 buts inscrits en équipe de France U17. Et désormais 4 en U19. Quatre buts en sélection française U19 en 4 matchs. La frappe maintenant enchaînée
d'Elisa Rambaud. La dernière en 30. La joueuse du MHSC. Alors que l'on va tranquillement arriver dans les 10 dernières minutes de cette rencontre. Déjà, on arrive dans ces 10 dernières minutes, un petit regard hein, sur les statistiques de cette rencontre. Statistiques offensives, hein, 12 tirs, 5 cadrés pour l'équipe de France, un montant touché. On était alors à la 45e minute de jeu. Et du côté italien, seulement 2 tirs, 1 cadré. La domination des Bleuettes a mis du temps à se mettre en place. Et désormais, plus que net, elle est au tableau d'affichage. Et Rambaud pour essayer de gêner la défense italienne sur la sortie d'Emma Mustafić. Très belle touche obtenue par Lou Autain. En prenant tout son temps. En attirant tranquillement Greta Bellagente dans le couloir. Ballon contré. Et Herbie Gilbert. Un ballon qui était dégagé par Paul Azzalini. Le changement de jeu de Maïline Mendy, très bien joué. Fiona Liègre, ah, dommage à l'intérieur du jeu. Ballon intercepté par Pellegrino Simo. Pellegrino Simo toujours. Ouais, Pellegrino Simo. A voulu y aller un peu trop toute seule. Tant mieux pour l'équipe de France. Elle est dans la surface de réparation. Elle prend sa chance aussi, elle a raison. Dans le fermé, l'invite Gilbert. Alors que Maïline Mendy reste au sol. Ouais, inquiétude aussi là pour Maïline Mendy. Ouais, ce sera un vrai coup dur pour l'équipe de France et pour Maïline Mendy. Ouais, qui est bien touchée. Elle est remplacée immédiatement par Landrina Lushimba Bilombi, la joueuse du Paris Saint-Germain. Landrina Lushimba Bilombi.
Un gros coup dur. Là, elle était très intéressante encore sur son entrée, Maëline Mendy. Et donc remplacée par Landrina Lushimba Bilombi. Ce changement à la 84e minute au moment où il est effectué, 85e minute maintenant. Ah, ça va nous assurer aussi un petit peu de temps additionnel. Et on va espérer que les nouvelles seront bonnes pour Maëline Mendy. Et 5 minutes encore à jouer, le match, la journée était parfaite avec la victoire. Alors certes avec un petit but d'écart et pas de pépins, pas de blessés. Et là malheureusement, avec la sortie de Maëline Mendy sur blessure. La satisfaction ne pourra pas être complète du côté français, même s'il y a victoire. Belhadj. La tête de Gallo. Pellegrino Simo qui obtient la faute. Double changement pour l'Italie avec la sortie de la numéro 15, Valentina Donolato. Ouais, Donolato remplacé pour la fin de rencontre, elle aussi. Alors on fait rentrer les joueuses offensives. On fait rentrer les offensives pour la toute fin de rencontre. Alors numéro 3 et numéro 3, ça va pas forcément nous aider. Voilà, numéro 2, Viesti pour Pizzuti. Et Bernardi pour Donolato. Ouais, ce coup franc repoussé par la tête de Lushimi Bilombi, puis dégagé par la défense des Bleuettes. Bien joué, très bien joué là, ce rush de Liana Joseph. Ouais, complètement séché, mais là l'avantage est laissé pour Elisa Rambeau. Le centre de Rambeau dégagé finalement, alors que l'arbitre de ce match, Emmanuel Narusta, arrête le jeu et va rappeler Pellegrino Simo, qui ne comprend pas qu'il puisse prendre le carton sur ce tacle-là. Bon. Plus la mauvaise foi et la frustration du moment que l'intime conviction, a priori. Plus de peur que de mal, hein, surtout sur
le tacle qui a été commis par Pellegrino Simon. Ça pousse sur les bancs et en tribune. Ça pousse pour ces toutes dernières minutes. Ça se durcit aussi dans les contacts, dans les impacts. Et l'image de Julie Sfiro à l'instant. Nadine Sorali. Eliana Joseph. Ah, qui cherchait Fanny Rossi pour lancer le contre. En position de hors-jeu. Qui vient sanctionner l'Italie. Et qui vient sanctionner Greta Bellagente. Donc on entre dans ce temps additionnel de 5 minutes au minimum. 5 minutes de temps additionnel minimum. Pour tenir, faire le break pour l'équipe de France. Et là, on n'est plus sur l'option faire le break. Long ballon pour Fanny Rossi. Fanny Rossi devant le but encore. Mais sans cadrer à nouveau. Ouais, parce que ce ballon est aussi dévié. Ça nous fait un nouveau corner pour l'équipe de France. Alors que le chrono s'égrène avec déjà une minute de passer dans les 5 minimums. Allez, dans les 5,50, il y avait la tête de Lou Autin. Et surtout le gros tacle derrière de Fanny Rossi qui laisse au sol Gala Pellegrino Simon. Le gros tacle de Rossi sans faute. Par contre, derrière, le petit jeu de corps, d'épaule de Melina Mendy sanctionné. Les joueuses de Selena Mazzantini elles vont tout faire là, sur ces dernières minutes avec des longs ballons devant pour aller chercher l'égalisation. Elles ont déjà marqué dans le temps additionnel d'une rencontre. Dans ces matchs qui se sont joués à Colomiers et Montauban dans ce groupe. Et c'était face à l'Irlande du Nord. Lors de la victoire 3-0 qui s'était surtout dessinée dans le dernier quart d'heure. Le doublé de Pellegrino Simo. Et le but de Valentina Donolato. Remplacé il y a quelques instants par notre attaquante Veronica Bernardi de la Roma. Et 3 minutes de jouer dans ce temps additionnel. Elisa Rambeau. Le tacle est à la limite hein, sur l'intention au départ. Mais le jeu se poursuit avec un ballon pour l'équipe de France. Julie Sfiro. Ah, ça va passer dans le dos malheureusement de Rossi. Mais aussi dans le dos Delimbi Gilbert. Allez, sans commettre de faute sur ces derniers ballons. À l'image de Lou Autin.
Sans faute. Ah, dommage, la faute est commise là par Autain, justement. Ouais, Véronica Bernardi qui allait chercher cette faute. L'attaquante italienne. Et encore une quarantaine de secondes à jouer dans cette rencontre. Sûrement le dernier coup franc. 5 minutes de temps additionnel minimum. 4 minutes 35 d'écoulées. Long ballon au niveau du point de pénalty. La tête de Wassa Sangaré. Ballon qui prend du temps à ressortir, mais qui ressort enfin. Liana Joseph. Le dernier contre pour l'équipe de France. La vitesse de Liana Joseph. En 1 contre 1. La solution au second poteau avec le ballon décalé jusqu'à Rossi. La frappe de Fanny Rossi. Le break à la dernière seconde. L'équipe de France va s'imposer 2-0 face à l'Italie. Et le dernier but de cette rencontre, celui qui vient achever le spectacle, est inscrit par la joueuse du Paris Saint-Germain, Fanny Rossi, au terme d'un contre magistral. Liana Joseph, l'accélération sèche là. Face à Viesti et ce ballon décalé jusqu'au bout. Par Tarin Gilbert, par la malice, la vista de cette petite passe dans l'espace. Et Fanny Rossi à la conclusion. Elle qui avait eu il y a quelques instants déjà une belle opportunité au début du temps additionnel. Et bien l'entrée gagnante, payante pour Fanny Rossi qui avait remplacé Lucie Calba à la 62e minute de jeu. Et on s'arrêtera là avec la victoire encore de l'équipe de France après le 4-0 face à l'Irlande du Nord. Après la victoire 1-0 face à la Hongrie, voici la victoire 2-0 ici à Colomiers face à l'Italie. But inscrit par Liana Joseph à la 62e minute. Et donc, Fanny Rossi à la 5e minute du temps additionnel. Le district Arles-Garonne a eu le plaisir de recevoir le couronne des qualifications à l'UEFA Euro 19 féminin 2024, donc du mercredi 25 au mars. La première phase de qualification pour cet Euro 19 en Lituanie l'an prochain. C'est très donc bien passé. Rien à dire. 3 matchs, 3 victoires, 7 buts inscrits, aucun encaissé. C'était ce qu'on avait envie de voir avec cette équipe de France. Et c'est effectivement ce qu'on a vu. Sachant qu'il y aura d'autres rendez-vous à venir pour cette équipe de France U19 et plus généralement les équipes de France. Et je pense notamment à l'équipe de France A dans la Ligue des Nations. Parce qu'on va avoir une grande soirée aussi de foot féminin avec la Ligue des Nations qui se joue aussi en ce moment, et l'équipe de France qui va jouer dans 2 heures maintenant face à la Norvège. Match qui se jouera du côté du Stade de l'Aune de Reims à 21h, en espérant, disons, le même score, au moins, pour les Bleus d'Hervé Renard, qui sont à 3 victoires en 3 matchs dans cette Ligue des Nations face à l'Autriche, le Portugal et la Norvège, dans ce groupe A2.
les images de joie de l'équipe de France. Alors qu'on... On a quand même eu en toute fin de rencontre un coup dur quand même avec la sortie de Maëline Mendy. Qui était pourtant entrée à la pause. Et match forte aussi hein, de cette équipe de France regroupée. Un dernier mot autour de Philippe Joly. Tout s'est bien passé sur le plan comptable, tout s'est bien passé dans le jeu. Mission accomplie donc pour l'équipe de France. Avec cette victoire sur le score de 2-0. L'inquiétude pour Maëline Mendy tout de même, qui est sur le brancard, hein, non loin de ses partenaires. On va revoir aussi les meilleurs moments de cette rencontre. Profiter du retour des joueuses vers le vestiaire pour revenir lorsqu'il faisait jour en début de match. Giada Pellegrino-Simo, la première occasion sur son pied droit et le seul arrêt de Férine Bellage aujourd'hui, puisque derrière il n'y a que des occasions françaises. Le coup franc de Julie Sviro, le rush ensuite de Shana Chosnot dans la surface de réparation. Ballon dévié jusqu'à la tête de Liana Joseph avant d'avoir Liana Joseph justement sur son pied gauche et ce ballon légèrement dévié sur la transversale par Emma Mustafić. Le mur italien s'est cependant complètement effrité avant de tomber encore avec un montant mais cette fois-ci rentrant de la part de Liana Joseph. Belle opportunité pour Maëline Mendy. Elle a pression encore avec la frappe un tout petit peu trop croisée de Liana Joseph. Début du temps additionnel. La grosse occasion pour Fanny aussi avant d'avoir ce dernier contre fatal. Mené tambour battant par Liana Joseph. Le petit décalage, clac, parfait de Tarel Envy-Gilbert pardon, pour avoir ensuite le but de Fanny Rossi. 2-0 pour l'équipe de France face à l'Italie. La victoire logique de l'équipe de France face à la sélection italienne pour terminer donc ce groupe avec 3 matchs et 3 victoires. Maëline Mendy qui va être accompagnée sur civière et surtout aide d'honneur de ses coéquipières. Les applaudissements pour Maëline Mendy. Terrible tout de même de voir Maëline Mendy sortir sur blessure, mais l'équipe de France s'est imposée 2-0 face à l'Italie. Rendez-vous donc dans 2 heures avec le France-Norvège. Belle soirée de foot féminin à toutes et à tous. On se retrouve très vite sur FFF TV pour la 2-1 Arkema, les meilleurs moments des équipes de France. Bref, votre nouvelle habitude sur FFF TV. Ciao, ciao.